with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told. À faire les manches, les tableaux, on va les faire. Les tableaux, on va les faire. Ces tableaux, je vais les écrire proprement avec tous les détails et je les laisserai à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez les screener. Donc, on va commencer les manches. Donc, comme pour le dos, les devants, on va faire 10 mailles, la bordure des manches. Donc, on va faire 10 mailles, on va travailler comme on avait fait pour le dos et le devant. Donc, on va faire une petite bordure. Donc, sur 10 mailles, on va travailler 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, et je m'introduis, je saute la première, je m'introduis dans la deuxième, je fais une maille serrée. Vous continuez comme on avait fait pour le dos. La bordure qu'on avait fait pour les dos, le dos et les devants. Et donc, on va faire une bordure et on va la travailler pour la taille XS. Pour la taille XS, vous allez travailler 24,5 cm de longueur. Pour la taille M, également 24,5. Pour la taille L, 25,5. Pour la taille XL, 25,5. Les 2-3 XL, 26,5. Et les 4-5 XL, 26,5. Faites la bordure et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé ma bordure. Combien de mailles il faut prélever pour commencer à travailler le point de riz? Voilà par taille. Voilà par taille combien. Donc pour chaque taille, vous avez les tailles ici et les mailles à prélever. Donc pour la taille, voilà 31 ici, 31 pour la taille M, 33. Pour le gilet que je travaille, c'est 33. 33 pour XL, 35 pour 2-3 XL et 37 pour la dernière taille. Donc, on va travailler. Après, quand je prélève ces mailles-là, je vais faire des augmentations de chaque côté. De chaque côté de la manche, on doit faire des augmentations. Donc, je commence par prélever mes mailles d'abord. Faites le prélèvement de mailles selon la taille que vous êtes en train de faire. Donc, j'ai prélevé, regardez, j'ai prélevé 33 mailles sur ma bordure. Maintenant, je vais faire une maille serrée. Je tourne le travail et je vais travailler en point de riz. Donc, vous continuez en point de riz comme on avait fait. Vous travaillez ce rang-là et le rang suivant. Donc, j'arrive au troisième rang. Je vais faire, là, j'ai une bride, donc dessus, je fais une maille en l'air. Pardon. Je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée. Sur la maille serrée, je continue, je fais une bride. Au quatrième rang, on va commencer les augmentations. Voilà, donc on arrive au quatrième rang. Là, c'est le début. On va faire maintenant le quatrième rang. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer les augmentations. Comment faire une augmentation? Vous avez la première maille. Par exemple, la première maille, là, j'ai une bride. Dessus, normalement, je dois faire une maille serrée. Alors, si je fais une maille serrée, l'autre doit être une bride. Donc, je fais une maille en l'air. Je fais trois mailles chaînettes comme une bride. Et puis, je m'introduis là et je fais une maille serrée dans la même maille. Et la suivante, puisque c'est une maille serrée, je vais faire une bride.
Vous avez compris ce que j'ai fait? C'est que dans la première maille, j'ai fait une bride et une maille serrée. Et pour garder l'alternance, donc je dois mettre maille serrée et commencer par une bride. Comme ça, l'alternance, et je garde l'alternance bride, maille serrée, bride, maille serrée. Voilà. Donc là, j'ai fait une augmentation. J'ai augmenté une maille et je continue mon point de riz jusqu'à la fin. Et à la fin, quand vous arrivez ici, donc là, vous avez une bride. Dessus, vous allez faire une maille serrée. Et là, dans la dernière maille, puisque là, vous avez fait maille serrée, donc vous faites une bride. Mais ensuite, puisqu'on va faire une augmentation, on fait une maille serrée ensuite. Donc, on va faire ensemble. Pour ne pas perdre vos mailles, vous mettez un marqueur sur le début et la fin de votre travail. Voilà, je fais une maille serrée. Là, une maille serrée, je mets dessus une bride. Je continue mon point de riz jusqu'à la fin. La fin, il y a là la petite augmentation à faire. Donc j'arrive, là je fais une maille serrée sur bride et là j'arrive à la dernière maille. C'est une maille serrée, donc dessus, normalement je fais une bride. Je vais faire une bride. Mais comme je fais une augmentation, l'augmentation ça va être une maille serrée. Voilà, une maille serrée. Et je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Pour le cinquième rang, il n'y a pas d'augmentation. Donc la maille serrée, dessus normalement, je dois faire une bride, donc je fais trois mailles en l'air et sur la bride on fait une maille serrée. Et donc si vous voulez ne pas vous tromper, mettez le marqueur. Moi je mets le marqueur sur la deuxième maille en l'air, c'est là où je m'introduis. Donc, et je continue le troisième rang. Le rang suivant, c'est le cinquième, il n'y a pas d'augmentation. Donc on va faire une augmentation, un rang oui. On fait une augmentation, le rang suivant, on ne fait pas d'augmentation. Et ainsi de suite. Donc, vous augmentez une maille de chaque côté. Une maille de ce côté et une maille de ce côté, comme on vient de faire. Au début et à la fin du rang. Mais pas tous les rangs. Un rang oui et un rang non. Et jusqu'à quand on va faire ces augmentations? Je vais vous dire. Donc, voilà. Pour ça, on va prendre. Regardez. Voilà les augmentations. Les augmentations, vous allez augmenter. Donc, on avait par exemple là pour ma taille, moi pour la taille L, j'ai 33 mailles. J'ai prélevé 33 mailles. Je vais prélever un rang oui et un rang non des mailles jusqu'à avoir 59. Par exemple, pour la taille L, c'est 59. Pour la taille M, c'est 59 mailles jusqu'à atteindre 59. Donc, vous augmentez une fois oui, une fois non de chaque côté jusqu'à avoir ce nombre de mailles. Pour la taille X, S et S, c'est 55. Pour la taille XL, 61 mailles. Pour la taille 2, 3XL, 65, jusqu'à atteindre 65 mailles. Et pour la taille 4, 5XL, 69 mailles. Et la hauteur, et supposons que j'atteins la hauteur, le nombre de mailles sans atteindre la hauteur. Normalement, moi, la manche, je dois la travailler jusqu'à faire 40 cm de longueur. Donc, de la bordure, du début de la bordure jusqu'ici, 40 cm et demi pour la taille L, 40 cm et demi pour la taille M et pour la taille XSS. Alors que pour les autres tailles, jusqu'à atteindre 42 cm. Donc si vous avez fini les augmentations et que vous n'avez pas atteint la hauteur indiquée, continuez sans augmenter, continuez en point de riz, d'accord? Une fois qu'on a atteint cette hauteur, vous arrêtez et on se retrouve pour la suite. D'accord? Donc, vous allez augmenter un rang oui et un rang non, comme on vient faire pour les augmentations. Vous voyez, donc, et votre manche va augmenter. Voilà, après avoir travaillé ma manche, j'ai fait
les 40 centimètres et demi pour la taille, pour la taille L. Pour la taille L, je devais travailler, avoir 59 mailles et travailler 45 centimètres et demi. J'ai oublié de parler de, pour les femmes, 40 centimètres et demi. Mais si vous travaillez pour un homme, c'est 43. Alors, vous avez le tableau là, hein, avec les tailles. Là, combien de centimètres pour les femmes ici et combien de centimètres pour les hommes. Si vous travaillez pour un homme, la manche de l'homme, le bras de l'homme, il est plus long. Donc, plus long. Donc, pour la taille XS, c'est S43. Pour la taille M, 43 centimètres pour les hommes. Et la même chose pour elle. Pour les autres tailles, c'est 44,5. Alors que pour les femmes, c'est 40,5, 40,5 pour la taille S, X, S et M. La taille L aussi, 40,5, 42 cm pour les autres tailles. Voilà, donc ça, quand vous arrivez, quand vous allez atteindre cette longueur, vous allez mettre des marqueurs. Mettez un marqueur dans les coins, ici. Vous marquez ici et vous marquez l'autre côté aussi. Donc, après avoir fait ces marqueurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à travailler. Donc pour la taille XSS, après les marqueurs, après avoir mis les marqueurs, vous continuez à travailler en point de riz pendant 6 rangs pour la petite taille. Pendant 6 rangs pour la taille M et pendant 8 rangs pour la taille L, pendant 10 rangs. Faut ajouter 10 rangs pour la taille XL et 12 rangs pour la taille 2-3XL et 14 rangs pour la taille 4-5XL. Donc voilà, on ajoute ce nombre de rangs. Après qu'on a terminé, on est arrivé ici. Moi j'ai 59, pour la taille L j'ai 59 mailles. Donc après avoir atteint cette longueur, je vais travailler encore 8 rangs. Je vais travailler, continuer 8 rangs et arrêter le travail et faire une autre manche de la même façon, exactement de la même façon. Et on se retrouve après. Voilà, une fois terminé vos manches, donc une fois terminé, voilà les deux manches, on a les deux côtés, les deux devant et puis le dos. Donc maintenant, on va commencer, il faut commencer les coutures. Je suppose que tout le monde sait faire les coutures. Regardez, moi je fais pour celui de l'homme. Le gilet que j'ai fait pour homme, il est grand, il est tellement grand. C'est la taille 44-46. Donc le gilet fait pour homme. Voilà les coutures. Moi, je fais une couture qui s'appelle le point de piqûre. Ça veut dire que je fais le point et je reviens. Il est difficile à défaire, mais ça se voit pas, c'est bien. Ça se voit pas. Ici, là, il y a la couture. Ici, il y a la couture, mais on ne voit pas le fil. Donc, on va faire les mêmes coutures. Vous faites les coutures, après on va faire les bordures, les deux bordures là avec les boutonnières et puis le haut du col. On va faire le col comme ça. Voilà, regardez les coutures que je fais. Moi, je ne sais pas, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je ne fais pas une couture qui passe comme ça. Je fais une couture ici, point de piqûre. Je vais vous montrer ce que je fais pour celles qui ne savent pas. Il y a plusieurs façons de coudre. Moi, je fais comme ça. Vous prenez votre fil. Et par exemple, je commence à coudre un côté et le dos. Je prends le dos par exemple, les deux faces se ressemblent, donc ça c'est le dos. Et vous prenez un côté, vous posez les émanchures, les deux l'une sur l'autre,
vous ajustez. Si vous voulez mettre des marqueurs, comme, pas des marqueurs, des, comme ça, quelque chose pour tenir les côtés, comme ça, quand vous commencez la couture, un côté, l'autre, il est tenu. Donc, voilà. J'ai les deux émouchures comme ça. Difficile de tout faire comme ça. Voilà, donc je vais commencer par le bas. Je mets les côtés comme ça. J'introduis, regardez-moi comment je fais. J'introduis le plus proche de la lisière. Hein. J'ai oublié de faire un nœud. Ça, c'est ma façon de faire. Ok. J'ai pas commencé par le bas, mais je reviens ici vers le bas. Je le tiens. Je m'introduis dans ce nœud-là. Et je... Voilà. Le point de piqûre, c'est que quand vous revenez sur le point que vous venez de faire, regardez, je vais sortir ici, d'ici à ici. Et je reviens au point comme ça. Mais ce point, il est difficile à défaire. C'est un point de couture ou de point de piqûre. Regardez, on ne va pas vraiment, si vous serrez trop, mais j'aime pas trop serrer. Si vous avez peur de ne pas bien faire, vous pouvez faire filer, faire un filage avec un fil comme ça, des points de piqûre, des points comme ça, large, et puis vous revenez, après, vous tenez, vous faites la couture en point faux filet, ça s'appelle un point faux filet, et puis vous revenez après, vous faites les coutures, les coutures comme ça, comme une couture point piqûre. Il y a des gens qui font des points comme ça. La couture comme ça. Je sais pas, j'aime pas beaucoup. Hein, moi, ils font comme ça. Ils tiennent les deux côtés, je sais pas. Je trouve que ça ne tient pas bien, aussi bien que le point de piqûre. Ok, je reviens maintenant à mon point, à l'endroit où j'étais, pour faire mes points de piqûre, continuer la couture comme je faisais avant. Okay. Donc voilà. Je continue comme ça. Alors, vous collez les devants, les deux demi-devants sur le dos, et puis les manches sont les manches. Vous avez vos manches, vous allez les coudre, vous faites les coutures des côtés, et puis vous vous rappelez, on avait fait des marqueurs, ces marqueurs. Vous allez les poser, vous allez faire la couture comme ça. Vous voyez? La couture va se faire maintenant. Là, les marqueurs qu'on avait fait sur la manche, vous vous rappelez? Je vous ai demandé de mettre des marqueurs. Après, on a fait, moi pour la taille 42, j'ai fait 8 rangs. 8 rangs. Les autres tailles, j'ai déjà parlé combien de rangs il fallait faire. Et je vous laisserai le tableau à la fin de la vidéo pour pouvoir les screener et avoir vos informations. Donc voilà. Vous mettez les deux sur le côté là, sur le côté de. Sur cette ouverture de l'émanchure, là les mailles qu'on avait laissées, et vous allez coudre votre pull comme ça. Vous allez faire les coutures comme ça. Donc, vous voyez, les deux marqueurs, c'est ici, au début de l'émanchure. Voilà. Après avoir fait la couture du côté et de l'épaule, vous allez faire la couture des manches. Donc, vous faites la couture, mais vous vous rappelez les marqueurs là. Il ne faut pas coudre. Vous allez faire la couture à partir des marqueurs. Jusqu'au jusqu'à la jusqu'au
jusqu'à ce que vous arrivez à la bordure, parce que quand vous allez coudre la manche avec le corps du gilet, il faut coudre une partie. Cette partie-là, la partie du haut de la manche, vous avez ces deux parties-là. Donc, et vous avez les deux parties ici. Vous vous rappelez cette diminution-là. Donc, vous devez faire coïncider cette partie avec cette ici et l'autre partie en bas avec l'autre côté de la diminution. Vous comprenez? Ensuite, vous allez coudre votre manche comme ça. Vous continuez comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas coudre cette partie-là. Il faut la coudre avec cette partie. Bon. Cette partie de l'émonsure doit coïncider avec cette partie que vous avez là. Hein, cette diminution. Et puis, vous continuez la couture de la manche normale. Voilà, terminez les coutures. Regardez. Vous voyez, donc j'ai fini toutes les coutures des manches, tout est fait. Voilà, on a coupé tous les fils. Maintenant, il nous reste à prélever des mailles autour du cou. Donc, je prends mon fil et mon crochet et je commence. On commence dans le coin là. Pour commencer, vous faites dans la première maille, je m'introduis, je prends cette boucle là, je l'introduis et je commence. Je prends ce bout de fil, je vais le cacher. Je fais une maille en l'air. Et dans la même maille, je fais une maille serrée. Vous continuez à faire vos prélèvements. Et on fait tout autour du cou des mailles serrées. Voilà, vous prélevez vos mailles. Vous continuez, vous faites tout le tour du cou. On fait jusqu'ici, on fait le tour du cou jusqu'ici, jusqu'à la dernière maille ici, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le tour du cou. On a prélevé des mailles serrées. Maintenant, je vais commencer par faire deux mailles en l'air. Et après, la première maille, je ne vais pas la travailler. Je vais considérer que c'est une maille, c'est une bride relief arrière. Donc là, je prends le fil. Je m'introduis sous la deuxième maille serrée et je vais faire une maille, une bride relief avant. Donc là, et je prends le fil dans la suivante, je m'introduis par derrière, je passe devant la maille et je vais travailler la bride. Donc, je prends le fil pour celle-là, bride avant, relief avant. Donc, la bride, elle vient sur le crochet. Et je veux faire une bride. Je prends le fil, je m'introduis par derrière, je viens par derrière la maille, je passe devant avec le crochet, je tire le fil et je fais la bride. Donc je continue. Une fois bride avant, une fois bride arrière. Vous voyez, vous connaissez, j'espère, que les brides avant et derrière en relief, les brides en relief. Donc on va faire, vous allez travailler la hauteur que vous souhaitez pendant 4-5 rangs ou plus si vous souhaitez, à vous de voir. Pour faire la bordure du cou. Et on se retrouve.
Voilà, le cou, j'ai terminé. Moi, j'ai fait, parce que moi, j'aime avoir le cou couvert. Donc, j'ai fait ici cette ronde de bris de relief. Maintenant, qu'on a terminé le cou, il faut prélever d'ici, de ce point-là, du haut du cou. D'ici, on va prélever des mailles du début ici jusqu'à la fin ici. Donc, vous allez prélever des mailles sur sur un côté et sur l'autre côté. Si c'est pour un homme, donc les boutonnières seront du côté gauche. Vous allez faire les boutonnières du côté gauche. Si c'est pour les femmes, les boutonnières seront du côté droit. Donc, voilà, je vous montre ici. Comme on avait dit que les longueurs on avait selon la hauteur du gilet, vous allez prélever un nombre de mailles, c'est ici. Donc pour les bandes de devant, les bordures de devant. Donc pour les femmes, selon la taille de XS ou ML, vous allez prélever pour les femmes 71 mailles, pour XS. C'est un ordre de grandeur, ça dépend. Par exemple, moi j'ai fait 7 rangs au niveau du cou, 7 rangs au niveau du cou, donc je vais ajouter. Donc je vais. C'est un ordre de grandeur parce que si vous prélevez trop de mailles au niveau de la bordure, elle va gondoler. Si vous prélevez peu, elle va être tirée. Donc, ça, il faut essayer, tout en travaillant, il faut essayer de voir que ça reste plat, comme ça. Donc, voilà, j'ai terminé le cours. On va prélever les mailles au niveau des bordures et on va travailler en mailles serrées. Donc, je vais commencer d'abord. Moi, je fais toujours un petit nœud. Je fais un petit nœud. Donc une boucle. Voilà, je fais une boucle comme ça. Et puis, je vais aller ici à la première maille au niveau du cou. Et je m'introduis au niveau de la bride. Je prends la boucle que je viens de faire. Et je l'introduis. Voilà, j'ai déjà la boucle. Je tire sur les fils, ça je vais cacher en même temps. Et vous commencez à faire vos prélèvements. Je m'introduis, je fais une maille serrée. Première maille serrée, ensuite une autre, et ainsi de suite. Je vous ai montré l'ordre de grandeur, le nombre de mailles à prélever, mais ça dépend. Ça dépend de la hauteur du gilet, si c'est pour un homme ou pour une femme. Donc, faut tout en travaillant essayer de ne pas avoir trop ni peu. Vous continuez jusqu'à ce qu'on termine ce premier rang et on se retrouve. Donc voilà, tout en prélevant mes mailles. De temps en temps, je prends mon gilet et je le pose comme ça pour voir si ma bordure ne va pas gondoler. Si j'ai prélevé trop de mailles, c'est sûr que ça va gondoler. Donc voilà, je fais comme ça de temps en temps, tout en travaillant, en prélevant, essayer de ne pas faire des trous, trop de trous ici. Donc voilà, vous continuez comme ça. Moi, je suis en train de travailler sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Du gilet. Donc, et comme c'est un gilet pour femme, je ne vais pas faire de boutonnière ici. Donc, je vais travailler un certain nombre de rangs. À vous de voir, vous voulez faire 5 rangs de mailles serrées, 4 rangs, c'est comme vous souhaitez. Donc, entre 4 et 5 rangs pour faire une bordure en mailles serrées. Vous continuez, on se retrouve à la fin. De ce côté, c'est le côté gauche, donc c'est le côté gauche du gilet de la femme. Donc on va rien faire, c'est là qu'on va poser les boutons. Je vous retrouve quand je prélèverai pour l'autre côté comment faire les boutonnières. J'ai terminé la bordure du côté gauche.
là où on va fixer les boutons. Donc, j'ai prélevé, pour ma part, j'ai prélevé 90 mailles. Bien que j'ai dit sur le tableau que vous devez le prélever 73 mailles pour la taille L, mais ça dépend de la longueur que vous avez choisie. Par exemple, si on avait dit une longueur du gilet telle et que vous voulez plus long, donc par exemple, moi j'ai fait un tout petit peu plus long, puis le cou, regardez, moi j'ai fait un cou. Le cou un peu long aussi parce que j'aime couvrir mon cou. Et voilà, ça tient plus chaud. Et maintenant, et j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. Et l'autre côté, j'ai prélevé également 90 mailles. J'ai prélevé 90 mailles. Je suis en train de faire. J'ai fait 1, 2, 3 rangs. Je suis en train de faire le troisième rang. Juste après le troisième rang, on va faire. Je cherche mon crochet. On va faire les boutonnières. Regardez-moi, j'ai 7 boutons. J'ai 7 boutons, donc je vais mesurer ma bordure. Avec mon ruban, je vais la mesurer pour savoir combien j'ai de centimètres. J'ai 68 centimètres en tout. 68 centimètres, je vais la diviser. Et combien de boutons j'ai? J'ai 2, 4, 6, j'en ai 7. Voilà le septième bouton. Ce sont des petits boutons en bois, ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça peut aller. Moi, je trouve que ça peut aller. Ils ne sont pas très grands, ils sont moyens. Donc, je divise la longueur que j'ai. Par exemple, là, on dirait 68, je dirais 70, 70 cm. Donc, si je commence, je mets ma boutonnière, ma première boutonnière ici, c'est 10 cm plus loin que je dois mettre la deuxième. C'est comme ça, je divise par le nombre de boutons que j'ai. Donc, pour faire mes boutonnières. Donc tous les 10 cm, je vais faire une boutonnière. OK? Donc je termine ce rang et on va faire les boutonnières ensemble. On se revoit dès que je commence les boutonnières. Voilà, je suis arrivée à la fin. Je fais une maille serrée, je tourne mon travail, je vais commencer à faire mes boutonnières. Donc au niveau du cou, je vais travailler comme vous voulez. Si vous avez une laine plus épaisse, vous faites au début. Donc j'ai travaillé une, deux mailles, et je travaille la troisième. Donc je vais, non, je sais pas. Deux mailles, c'est bon. Je travaille deux mailles serrées. Ensuite, pour faire ma première boutonnière, je vais travailler une maille en l'air, pardon. Donc j'ai travaillé deux mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air et sauter une maille en bas. Sur la ligne, je vais sauter une maille. Donc bien que normalement avec avec le fil, les boutonnières s'agrandissent, donc pour moi c'est bon, une maille c'est bon. C'est bon, c'est pour ces. Regardez, pour cette taille qui est moyenne, je laisse qu'une maille. Je fais une maille en l'air et je saute une maille, je ne la travaille pas. Donc, je fais cette boutonnière. On fait les boutonnières comme ça. À partir de la première boutonnière que j'ai fait ici, première de ma première boutonnière qui est là, je compte 10 cm et je mets un marqueur. C'est là que je vais mettre ma deuxième boutonnière, à ce niveau-là. Encore de là à là. Je vais faire la suivante ici. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer le nombre de vos boutons. Moi, j'en ai 7. Vous m'avez compris là. Donc, je fais comme ça. Et je continue à travailler. C'est plus simple de travailler comme ça. Donc, je travaille mes mailles serrées jusqu'au prochain marqueur.
Voilà. Une fois arrivé au niveau du marqueur, j'arrive au niveau du marqueur, je fais une maille en l'air et je saute la maille suivante. Je ne la travaille pas et je vais dans l'autre et travailler maille serrée. Donc voilà ma boutonnière. Je continue comme ça à faire mes boutonnières pendant ce rang. Dans le rang suivant, je vais travailler ces mailles en mailles serrées. Là, j'ai déjà travaillé trois. Ici, je suis au quatrième rang. Donc, il me reste pour faire 7, 3, donc c'est le quatrième. Il me reste à faire encore trois rangs de mailles serrées. Et je termine mon travail. Et après, vous allez coudre vos boutons et votre gilet sera prêt. Donc, on a dit, je répète encore une fois. Voilà. Donc, pour les femmes, on met les boutons côté droit. Ça, c'est le côté droit du gilet. Donc, le côté droit du gilet, on met les boutons de ce côté-là. On met les boutonnières côté droit. Ça, c'est le côté droit du gilet. Pour les hommes, on fait le contraire. Les boutonnières vont se trouver du côté gauche. Ça, c'est le côté gauche. C'est mon côté droit, mais c'est le côté gauche du gilet. D'accord? Allez, donc, je vous montre sur le gilet de là. Voilà. Sur le gilet de là, c'est le même. C'est le même. C'est le fil qui change et c'est tout. Donc, sur le gilet de là, les boutonnières sont de ce côté, alors que sur le gilet de la femme, les boutonnières sont de ce côté-là. Voilà, ma boutonnière. Elle est de ce côté, le côté contraire. Terminé. Vous terminez ce rang et on se retrouve. Donc, j'ai terminé. J'ai terminé toutes les boutonnières. J'ai fait les boutonnières. J'ai fini le rang. Et là, je reviens dans l'autre sens. Pour faire un autre rang de mailles serrées. Quand j'arrive au niveau de la boutonnière, vous vous rappelez, on avait fait une maille en l'air. On avait fait une maille en l'air, on n'a pas travaillé la maille en dessous. Donc maintenant, quand j'arrive, je vais travailler cette maille en l'air. Et comme ça, donc je continue mon rang. En maille serrée comme avant, mais là j'ai ma boutonnière. Regardez, donc pour moi c'est bon, ça va, c'est bon pour cette taille de bouton. Donc j'ai ma boutonnière. Vous continuez comme ça. Donc là, moi j'ai fait normalement, j'ai fait de l'autre côté, j'ai fait 7 rangs de mailles serrées. J'ai travaillé 3 rangs. Dans le quatrième, j'ai fait ma boutonnière. Et là, je suis en train de faire le cinquième rang. Il me reste deux autres rangs à faire. Vous, si vous avez fait 5 rangs, vous travaillez 2 rangs. Dans le troisième, vous faites votre boutonnière. Et vous continuez après les 2 rangs suivants. Comme ça, la boutonnière vient au milieu de la bande. Continuez et on se retrouvera après. Après avoir fait vos boutonnières et fini votre bordure, vous allez coudre les boutons. Et puis, on se verra pour la fin de la vidéo. Voilà les amis, notre gilet est terminé maintenant. Regardez, j'ai mis les boutons, c'est des boutons en bois. C'est tout ce que j'avais à la maison. Donc, j'ai essayé mon pull, il me va très très bien, c'est exactement ça. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle est longue, je vais la diviser en deux. Et rassurez-vous, je vais écrire toutes ces mesures. Toutes les ces pages, je vais les écrire proprement et les mettre à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez faire ce cardigan et ce gilet, que vous allez le réussir, Inch'Allah. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.